Bonsoir, bonjour Bandeko Balandi, nous les avertis, vous qui nous suivez de partout, Nkolaza Nabiso, Biscane Sobozali, to continuer sous émission Nabiso à faire de toutes les nations des disciples, tous autres là, par la grâce de Dieu, tout ça là, une fois par semaine, des gens vont permettre Biso, to Bandeki, semaine passée avec le sujet à repentance, après tout le monde a dit que vraiment, to me gako décortiquer quelques points. Ça là que Moutou à l'année qui donc semaine passée à Yeba, quels sont les points et comment à l'aube de se repentir, puisque des fois il est facile à coloba que oui, yambaye sous bien sûr, mais ce qu'il faut tout mettre à décortiquer de façon que chaque personne au hasard qu'on a les bandes qui ait aussi la possibilité de comprendre d'autres choses pour la au étalé repentance par rapport à thème Oyo tout banda qui dernier, mais autre lobby, les autres lobby se repentir, oui, mais comment? C'est ça la question que nous voulons répondre aujourd'hui avec vous. Le Tozali Mibale, la fois passée, on était à trois. Il y a notre frère Moleka qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous prions que la prochaine fois, à Anabiso, de façon que tout continue à mission. Nous sommes là avec le frère Junior. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment ça va là-bas chez toi? Ça va, frère, par la grâce du Seigneur, tout va bien. On est, le Seigneur nous fait grâce, il nous préserve, il nous garde. Il nous donne la bonne santé, donc nous le disons encore une fois, merci Seigneur pour ta protection et pour ta grâce. Voilà, nous allons prier pour avant de commencer notre exhortation. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le temps que tu nous donnes et pour la grâce que tu nous fais. Merci papa pour le temps que nous allons passer réellement ensemble avec mon frère par rapport à ces messages. Nous te disons merci Seigneur car nous croyons qu'une personne sera sauvée. Nous te disons merci parce que nous croyons que tout ce que nous allons faire sortir de notre bouche seront des choses qui viennent de toi, car la Bible me dit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Je laisse mes frères, mes sœurs qui vont nous suivre entre tes saintes mains Seigneur. Sois avec nous, laisse que papa ton seul esprit puisse réellement nous conduire par ta grâce au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Se repentir, on a fait ça, on a eu à traiter le thème la semaine passée. Et je vois que tout le monde comprenait qu'il y a un peu, puisqu'il n'y avait pas eu beaucoup de questions, une ou deux questions, mais ce n'était pas. Il y avait la question en dehors, même il y a un thème. Ça dit, tu as dit encore une fois, pour l'émission, puisque nous le faisons, pour la. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est de faire les nations des disciples, comme le maître avait dit. Donc, tu peux devenir disciple que ce que je comprends, puisque nous ne parlons pas, c'est de la part de Dieu que nous parlons. Et nous voulons à ce que le peut comprendre une chose par rapport au thème Oyo. Il y a deuxième partie, il y a repentance, mais nous voulons maintenant expliquer ou bien vous dire comment faire pour comment se repentir. Je ne sais pas déjà d'entrée de jeu, frère Junior, est-ce que tu peux déjà dire aux frères ce que tu penses être peut-être des astuces ou bien des éléments où tu as besoin ou bien à se repentir? Oui, merci mon frère. Les éléments en fait sont nombreux, puisque on voit que dans les Écritures, il y a eu plusieurs manières où le Seigneur a appelé ses enfants à changer de camp en fait, parce que voilà, la repentance comme on a dit la dernière fois, c'est aussi moi j'avais quand même martelé sur le fait que c'est aussi surtout un changement d'attitude, et on voit donc c'est aussi un changement des camps. Quand je veux dire changement de camp, c'est-à-dire que les seigneurs, quand avaient appelé l'apôtre Paul, ça n'a jamais été la même manière que l'apôtre Pierre, ça n'a jamais été la même manière que les apôtres. Donc, il y a aussi, les seigneurs a plusieurs façons d'opérer, a plusieurs façons de rappeler ses enfants pour qu'ils puissent rejoindre la bergerie. Donc, on va déjà, frère, donc je vais peut-être dire ça. Donc, les seigneurs appellent chacun à sa manière, puisqu'il a multiples façons de pouvoir rappeler ses enfants à l'ordre, il a plusieurs façons de pouvoir, parce que en fin de compte, même quand on parle de la repentance, les Écritures disent que ni ne peut venir, et Yeshua disait que ni ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Donc au final, la décision revient au Seigneur. C'est lui quand même qui touche les cœurs pour que les cœurs viennent à lui, tout en n'est pas ignoré
sur le fait que dans toutes les choses dont on est en train de parler, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Donc il ne faut pas non plus être qu'on sous-estime la part de l'homme, qui dire que non, ben je peux vivre dans le péché si le Seigneur même, il m'appellera, dont beaucoup de gens parlent, la super grâce qui est une fausseté. La super grâce, c'est une grosse fausseté. Donc il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Voilà, déjà c'est bien fait d'avoir corrigé, soit ajouté l'élément à la fin, la part de l'homme et la part de Dieu. Puisque lorsque tu essayes, ou bien lorsque nous essayons de comprendre pourquoi Yeshua avait dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors, ce qui moutoumoussou, hasard fainéant, il va dire, bon, toutefois, je ne vais pas faire des efforts puisque je serai attiré si Dieu veut. Et pourtant, ce n'est pas ça. Dieu veut aussi que Bisoto Lukaye. Il veut que Bisoto ça la part na Biso. Il veut que Bisoto ça la première part. Écoutez l'histoire de Jean chapitre 3 verset 1. L'histoire de Nicodème. Nicodème qui était docteur de la loi, qui connaissait la loi de Moïse, tout ça, il connaissait ça peut-être par cœur. Il connaissait ça. C'était en fait son boulot, c'est ça, c'est que son quotidien en fait. Mais qu'est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il vient de nuit pour demander ou poser la question à Yeshua pour avoir, n'est-ce pas, la réponse à sa préoccupation par rapport au royaume, par rapport à la vie éternelle. Yeshua lui dira que si tu n'es pas né de nouveau, pourquoi il n'est pas dit que si Dieu n'était pas engendré? Non, ce n'est pas ça. D'abord, toi la personne, toi d'abord. Yomutu, ta part est de chercher à savoir, à connaître la vérité. Or, la vérité ici, c'est d'abord Yeshua. Donc, la Bible dit que Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, lorsque tu te trouves sur son chemin, ce chemin va t'amener vers la vérité de la parole que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et lorsque tu accepteras cette parole, c'est ainsi que tu seras sauvé. Et la part de Dieu, tellement c'est une part invisible. Tu ne peux pas dire, oui, je suis là, je croise mes bras et j'attends que Dieu fasse. Non, Dieu veut que ceux-là qui le cherchent, même si tu es en train, tu te lèves, tu tombes, tout ça, mais cherche-le jusqu'à ce que tu vas trouver. Puisque c'est important de faire le premier pas et lui va faire le reste. Ton premier pas aujourd'hui, c'est de savoir comment je peux alors me repentir. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, frère, si tu peux ajouter quelque chose avant que je ne donne des éléments par rapport à comment se repentir pour la bande de Kobayoka, ce que le Seigneur a gardé pour nous aujourd'hui. Je vais directement même relancer l'introduction, comme tu viens de dire, comment faire pour se repentir. Donc, on voit qu'il y a... qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, pour pouvoir se repentir, déjà, je vais directement y aller, frère. Pour pouvoir se repentir, déjà, il faut déjà connaître son problème. Parce qu'on ne peut pas... tu ne peux pas te repentir si tu ne sais pas que tu as un problème. Tu ne peux pas te repentir si tu ne reconnais pas tes péchés. Pour pouvoir se repentir, il faut d'abord reconnaître que tu es dans le péché. Il faut d'abord reconnaître que tu as une mauvaise vie, que tu mènes une vie qui ne plaît pas au Créateur. Et c'est de cela que tu peux déjà enclencher les processus de repentance en admettant déjà qu'on vit dans le péché, en reconnaissant qu'on est pécheur. On est tous pécheurs, bien sûr, mais là, on parle des pécheurs volontaires. On parle des personnes qui ne sont pas converties, des personnes qui vivent dans le péché, qui commettent des péchés volontairement. D'où la repentance. La repentance par rapport aux personnes qui vivent encore dans le péché. Donc, il faut d'abord commencer par reconnaître ces erreurs. Vis-à-vis des humains forcément, c'est plus
reconnaître ses péchés vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de Yeshua, car c'est lui qui sauve en fait. C'est lui qui peut faire en sorte que tu puisses, qui puisse avoir une rémission de péché. Parce que sans cette reconnaissance, c'est comme si on vit dans le déni. C'est comme si quand on reconnaît pas ses erreurs, il est quand même difficile qu'on te pardonne des erreurs que tu ne reconnais pas. D'où, par rapport à Dieu, c'est la même chose en fait. Il faut d'abord reconnaître ces erreurs. Ensuite, dès là, tu seras sur le processus de la repentance. Voilà. C'est-à-dire le premier point, on peut écrire, c'est très important puisque lorsqu'on écrit, ça reste et puis après tu peux toujours aller revisiter tes notes, c'est très important puisque nous sommes en train de faire cette émission, c'est pas pour passer le temps pour rien, c'est pas pour passer du temps pour rien, c'est plutôt pour aider à une personne, je vais dire, à devenir enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il y a des conditions. Il y a des conditions et c'est très important. Yeshua l'avait dit, peut-être il a dit, il a donné le paquet. Hein, il faut naître de nouveau, un point, un trait. Mais là, c'est un processus qui demande, hein, comme le frère venait de le dire ici, tu ne peux pas vouloir être guéri d'une maladie si tu n'as pas mal. Même le médecin va te poser la question, tu as mal où? Tu vois? Tu ne peux pas dire au médecin, j'ai mal. Il va te dire tu as mal ou à moins que tu dises que tu as mal partout. Mais si tu as mal quelque part, tu dois pointer du doigt là où tu es, là où tu as mal, de façon que le médecin puisse réellement regarder avec ses microscopes pour voir est-ce que c'est quelque chose avec la peau, avec les os ou avec les muscles, tout ça. Donc, reconnaître ses péchés ou sa position ou reconnaître son état, c'est ça d'abord. Comment faire pour se repentir? Il faut d'abord reconnaître son état plutôt, reconnaître son péché ou ses péchés. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qui est fidèle et juste? C'est Yeshua qui est fidèle et juste. C'est Dieu qui peut te pardonner. C'est Dieu qui peut te guérir de ton péché. Il y a un péché que peut-être tu as au Kanissa. Je fais ça tellement souvent comme quoi avoir habitude. Mais c'est le péché là. Ceux qui ont reconnu que c'est un péché. Et ça va rester en toi. C'est-à-dire, il faut rejeter. Il faut colobaquer. Non. Je reconnais que ce que je fais là, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Je dois confesser ces péchés afin, n'est-ce pas, de recevoir, comment dirais-je, le pardon. Et ça, déjà, premier pas pour la réponse, il y a comment faire pour se repentir. Frère, est-ce qu'il y a une deuxième chose, frère? La deuxième chose que je peux ajouter, moi, je vais plutôt l'appeler l'autopsie de l'âme, en fait. Il faut faire l'autopsie de son âme. Savoir, est-ce que ton âme est pure? Est-ce que ton âme est atteinte d'une maladie grave? Est-ce que ton âme est propre? Est-ce que ton âme plaît à ton Créateur? Il faut, en fait, on est toujours dans la reconnaissance, mais ça, c'est encore une deuxième forme de reconnaissance, c'est-à-dire l'examen de ton âme, en fait, s'examiner même soi-même, savoir est-ce que au point où je suis, enfin, la vie que je mène aujourd'hui, si je meurs, où irai-je? Au ciel? En enfer? Ou même si le ciel et l'enfer ça reste pour le futur, dans le présent, où irai-je? Au séjour des morts ou dans le lieu de repos? Ça, c'est important. Et après avoir remarqué tout cela, c'est de là que tu peux vraiment déclencher ton processus de repentance. Une fois que tu auras compris, après avoir fait cet examen de conscience, et que ta vie, la vie que tu mènes ne plaît pas au Créateur, et c'est de là que tu peux réellement demander pardon au Seigneur, un pardon sincère en fait. C'est pas demander un pardon aux lèvres et que le cœur est toujours hanté par les démons, ou alors le cœur est toujours hanté par la convoitise ou hanté par des choses qui ne feront pas plaisir à Dieu en fait. Donc vraiment faire cet examen de conscience, faire ce que j'appelle l'autopsie de l'âme, et réellement avoir des regrets par rapport à ses péchés, pour que le Seigneur aussi puisse pouvoir t'accorder la rémission de tes péchés. Voilà. C'est-à-dire, le frère emploie ici un terme, il dit l'autopsie de l'âme.
Moi, je vais simplifier ces termes pour dire c'est un changement de comportement, mais entre-temps, le comportement que tu sais qui n'est pas bien devant Dieu. Des fois même, il y a des comportements qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bons, je vais dire, devant les hommes déjà. Lorsqu'un comportement devant les hommes n'est pas bien, sache que des fois, même lorsqu'on parle de la loi de ce monde, la loi de ce monde, ils essayent d'être juste. Hein, les gens disent la loi, ça dit par exemple, lorsqu'on t'attrape en train de vendre ses pas à des armes à feu, hein, c'est condamnable. Tout le monde sait que c'est condamnable. C'est-à-dire, lorsque tu fais quelque chose de pareil, ou bien lorsque tu sais, par exemple, que frapper ta femme ou bien tromper ta femme, ce n'est pas bien, et que tu le fais quand même, c'est un comportement à laisser. C'est-à-dire, il faut reconnaître, il faut faire, le frère a dit ici, l'autopsie, c'est-à-dire, toi-même, tu fais ce qu'on appelle l'examen de conscience. Tu regardes, tu essayes de voir ton état, de voir ta vie pour, n'est-ce pas, prendre une décision. C'est ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 9 et 19 nous dira, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si tu te réponds pas, tu peux demander pardon, oui, mais il faut te repentir, il faut abandonner la vie que tu es en train de mener. Il faut être sûr que oui, ce que je faisais, peut-être que tu as 10 fautes, je vais dire ça comme ça, tu as 10 fautes, tu as 15 fautes. Mais lorsque tu ne laisses pas une faute, tu ne peux pas laisser les autres 14. Il faut commencer par là. Ce qu'on appelle même après, on dit que lorsque tu commences avec la vie de Dieu, c'est comme un petit qui vient de naître. C'est-à-dire que tu auras besoin de la croissance spirituelle. Mais entre-temps, il va commencer, n'est-ce pas, à t'enseigner et à te donner le dégoût de ce que tu faisais avant, comme les choses que tu pensais qui étaient bien devant ta face, ou bien je veux dire dans ta vie. Mais le Seigneur va changer ta façon de voir les choses. Il va enlever le goût du monde pour donner son goût, afin que tu puisses dire comme l'apôtre Paul qui dira que ce que je trouvais comme des gains, aujourd'hui je le vois comme de la boue. C'est ça ce que le frère appelle ici l'autopsie de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que ton âme, ou bien ton cœur surtout, ne te reproche pas. C'est très important. Parce qu'il y a encore un autre élément, frère. L'autre élément que je peux rajouter, frère, en fait, quand on dit que l'évangile, nous devons la vivre, je vais me prendre comme exemple. Souviens-toi de cela, il y a à peu près 3 ans, on avait eu cette discussion. Lorsque moi aussi, quand j'étais aussi dans le péché, avant que le Seigneur puisse me faire grâce, pour que je puisse aussi renoncer au péché, on parlait avec toi au téléphone, tu m'as dit, non frère, tu sais, pour pouvoir faire pour aussi une autre manière pour pouvoir se repentir, tu prends une feuille, tu écris à gauche toutes les bonnes choses que tu penses que tu fais, et l'autre côté, toutes les choses que tu vois qui sont pas bonnes aux yeux de Dieu, et tu fais un peu... Tu balances en fait. C'est aussi une manière de comprendre où es-tu, de pouvoir se fixer. C'est très simple, toute personne qui vit dans le péché, s'il fait cette liste, il va réellement remarquer que non, le côté mauvais dépasse le bien. Quand on vit dans le péché, il est impossible de faire plus de bien que de faire plus de bien que de mal. On fait plus de mal que de bien. Pourquoi? On ment, on trompe, on est même dans l'avarice. On est attaché à tellement de choses. Des fois, quand tu l'écris, tu le vois mieux en fait. Si on te laisse réfléchir, il y a des choses qui vont te sauter à la tête. Mais si tu l'écris réellement, parce que tu vas prendre ton temps d'écrire, tu vas réfléchir. Tu prends ton temps, quand tu écriras, tu comprendras bien évidemment et effectivement qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses beaucoup de choses qui font que tu ne sois que tu es du mauvais côté. Donc c'est aussi une manière de faire. Donc vraiment lister les bonnes choses et les mauvaises choses. On ne parle pas des bonnes choses de la vie, on parle des bonnes choses de l'esprit. Les bonnes choses, qu'est-ce que le Seigneur veut? Et tu comprendras que non, la volonté de Dieu dans ta vie est minime. Donc, tu fais plus la volonté de ta chair. Alors, quand on fait plus la volonté de la chair est liée plus au diable, en fait. Les désirs de la chair sont directement liés au diable. Il ne faut vraiment pas se faire des idées. Ce n'est pas lié, dire que non, c'est des sentiments, c'est la nature. Pas du tout. C'est vraiment la majorité des choses qui sont liées à la chair sont directement liées au diable. Donc, vas-y, frère. Vraiment, c'est important ce que tu viens de dire, frère. Lorsque j'avais dit ça, j'ai dit ça souvent aussi à d'autres frères et sœurs, c'est important
connaître son état, comme tu as dit, par rapport à l'autopsie de l'âme. C'est important de savoir, puisque personne d'entre nous peut mentir à sa propre conscience. Tu vois, la conscience est une personne, c'est-à-dire tu ne peux pas mentir à ta propre donc, personnalité, c'est-à-dire à ta propre personne. Tu as toujours les choses que toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Alors, c'est mieux lorsque tu sais qu'il y a des choses que tu veux réellement laisser. Quelles sont les choses que tu veux laisser? Il faut les lister, donc, comme le frère vient de dire. Et de là, tu vas pratiquer ce que moi j'appelle la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est-à-dire, tu sais que le Seigneur peut te pardonner puisque tu es sincère. Tu es sincère. Parce que si tu n'as pas la foi, mais si tu ne crois pas que le Seigneur peut te pardonner dans tes péchés, peut te rendre pur devant lui, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir la foi, être sûr que Dieu est amour. Il est venu pour moi. Il est venu mourir à la croix pour moi pécheur. C'est-à-dire, il ne faut pas penser à la multitude des gens qui sont là dehors. Il faut penser d'abord à toi. Le Seigneur est venu pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Le Seigneur a laissé son trône pour venir te chercher. C'est comme ça que tu dois personnifier, je veux dire, cette grâce, ce salut du Seigneur. Même lorsque la Bible dit que le salut est individuel, il faut individualiser vraiment ce salut par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire prendre conscience que, donc, mon Dieu, lorsque je parle de mon Dieu, tu fais allusion vraiment que c'est mon Dieu, c'est pour moi, c'est à moi que, quoi dirais-je, c'est pour moi qu'il est venu mourir. C'est-à-dire il faut être réellement sûr que tu as la foi en Yeshua, tu as la foi en Christ, tu as la foi, en Dieu. Et c'est pourquoi Actes 16, 31 nous dira, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Même lorsque tu as une famille qui ne prie pas, mon frère, du fait que toi tu aies trouvé un chemin de la vérité, ou bien tu penses que tu as des problèmes, mais tu veux prier mais ton mari ne veut pas, tu veux prier mais ta femme ne veut pas, tu veux prier mais tes parents donc ne veulent pas. Tu peux nous écrire, on peut toujours partager pour vouloir, voir comment on peut toujours aussi t'aider, ou bien, t'aider à relever ces défis, puisque la vie, donc en Christ, c'est un combat. Donc, il faut savoir comment combattre avec ces esprits célestes, mais ces esprits qui sont donc dans le monde. Donc, si tu as des problèmes par rapport à ça, et que tu veux avancer, et que tu penses qu'il y a encore des doutes, des hésitations, tu peux toujours nous écrire, les numéros sont là. Donc, nous allons essayer de t'aider. Frère, vraiment, nous voulons faire cette partie de cette émission un peu compactée. Pour chuter, est-ce qu'il y a encore un élément ou deux éléments que tu peux ajouter? Un élément, frère, je prends un passage. Je prends un passage, Marc 8, 34. Et ayant appelé la foule et ses disciples, et on parle de Yeshua, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, pour moi, ça, c'est aussi un canal vers la repentance. Je m'explique. Donc, tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans le concubinage, tu vis dans plein de choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Maintenant, quand tu remarques que toutes ces choses-là, ce n'est pas bon, et que ça suit ton âme, et que toutes ces choses-là, ça te conduit, ça te détourne du chemin du salut, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dois renoncer à toutes ces choses. Renoncer, quand on dit renoncer à soi-même, c'est-à-dire vraiment refuser, réfuter, rejeter toutes ces choses auxquelles on a été attaché autrefois, toutes ces choses qu'on trouvait, comme l'apôtre Paul disait, toutes les choses qu'il trouvait, qui étaient bon à ce jeu pour, une fois qu'il était dans le Machia, pour lui, toutes ces choses-là, c'était des missiles. Donc, quand on renonce aux mauvaises choses, c'est-à-dire on les rejette et toutes ces choses-là, ça doit devenir aussi sale à nos yeux. Donc, on va revenir sur le contexte du passage. Donc, c'est vraiment ces renoncements de soi, ça fait en sorte qu'on rejette toute l'ancienne vie, on redevient, on cherche à avoir une nouvelle vie qui est propre, une vie qui plaît au Créateur, une vie qui fait en sorte qu'en fait, en même temps, quand on est dans le Seigneur, on a automatiquement, on reçoit une paix en fait. On reçoit une paix. Même si on traverse des moments difficiles, on ressent une paix intérieure. Et cette paix, il n'y a que le Seigneur qui les donne. Seul Yeshua donne la paix.
Le monde, la paix que le monde donne, c'est une paix qui est temporaire, c'est une paix qui est éphémère, des fois même c'est à court terme. Et pourtant, la véritable paix, ça vient vraiment du Seigneur. Et quand on se répand réellement, une fois qu'on est, on change, parce que la repentance aussi un moyen de changer les camps. Tu passes du camp du diable au camp de Dieu en fait. Parce que personne n'est au milieu. Il y a dans les mondes spirituels, soit c'est Dieu ou c'est le diable. Ceux qui pensent qu'ils sont, ils sont tièdes, ils sont au milieu, ils sont quand même dans les camps du diable. Puisque les camps de Dieu, c'est un camp qui est structurant en fait. C'est un camp qui est conditionné. C'est un camp qui est clair, qui est pur, qui est blanc en fait. C'est pas un camp entaché. C'est un camp qui est net. C'est un camp pour des hommes et des femmes qui obéissent à la parole, qui mettent en pratique la parole, qui vivent l'évangile. Pas simplement qui écoutent, qui lisent, mais vraiment qui les vivent en fait. Parce que la vie chrétienne ou la vie d'un disciple, on les vit en fait. On les vit tous les jours. On les vit tous les jours, au quotidien en fait. C'est pas quelque chose de temporaire, c'est pas de temps en temps, mais c'est quelque chose de quotidien et de tous les jours en fait. Si je peux rajouter, frère. Donc, ce sont là les éléments, je vais dire, il y a encore d'autres éléments. Comme on a dit, nous allons essayer d'être compacts, de compacter un peu l'émission. C'est très important aussi pour vous, afin que vous ayez vraiment un fil conducteur pour comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Je peux aussi ajouter, parce que le frère a dit le renoncement, après avoir renoncé, il faut marcher vraiment dans la vérité. La Bible parle de la lumière. Donc Matthieu, qu'est-ce que je dis ? 1 Jean chapitre 1 verset 7 dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yeshua nous purifie de tout péché. Ça dit chaque fois, il faut savoir que tu dois être purifié. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, ne dors jamais sans pour autant prier pour demander pardon à Dieu. Puis c'est très important. Lorsque je parle de dormir, là je dis vraiment que tu as fini ta journée, que tu aies fait le bien ou le mal, je ne sais pas. Mais sache que chaque jour, tu as besoin de te purifier. Je ne dis pas ici qu'il faut recommencer à zéro demain et puis après te purifier. Non. C'est-à-dire qu'il faut être réellement sincère, comme on avait dit. Lorsque tu as 15 fautes, tu dois commencer par une, c'est-à-dire élaguer une, et puis continuer à élaguer d'autres fautes. Et tu verras que par la force du Saint-Esprit, tu arriveras, n'est-ce pas, à atteindre l'objectif qui est du perfectionnement par rapport à ce que le Seigneur a donc attend de nous. Et ce que je dois aussi ajouter par rapport à garder toujours l'élan, comment faire pour se repentir, c'est aussi, beaucoup prier, causer avec Dieu, parler avec Dieu, en lisant sa parole, afin qu'il puisse te révéler encore des choses que tu ne savais pas avant, afin qu'il puisse réellement te donner un nouveau départ, afin qu'il puisse te donner un nouveau souffle. Ça veut dire que tu dois être constamment devant sa présence. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, il nous dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi ? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne pense pas que lorsque tu vas passer les 6 mois de ta conversion, de ta repentance, tu vas rester comme ça. Non, il y aura des attaques qui viendront. Il y aura des hommes et des femmes et des amis qui viendront. Et si tu n'es pas dans l'attitude de la prière, tu peux céder aussi, tu vois. Tu peux céder à la tentation et tu rentres. Et puis, il faut savoir que lorsque tu étais dans le péché et que le Seigneur t'a montré le chemin de la lumière mais de la vérité et tu tombes dans le même péché, l'esprit qui était en toi, il va aller chercher cet autre esprit plus puissant que lui pour venir t'assiéger. Alors là, ça sera trop tard. C'est ainsi, il faut faire donc attention par rapport à ce que nous sommes en train de dire. J'avais dit, il faut écrire. S'il y a des choses que tu penses qu'on a parlé peut-être trop vite, mais nous sommes passés trop vite par rapport à l'explication, tu peux toujours nous écrire, nous allons essayer, n'est-ce pas, de t'expliquer ou bien de t'aider pour que tu puisses avancer. Frère, est-ce qu'il y a encore un élément où, pour terminer, je ne sais pas, tu prends le temps que tu veux et puis après on va terminer cette émission. Ok, le dernier élément, frère, c'est 1 Corinthiens 15, 33, pour toute personne qui désire se repentir.
j'ai lu le passage 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire, quand on veut se repentir, quand on veut se vraiment passer du bon côté, il faut aussi faire attention à son entourage, il faut faire attention à qui tu fréquentes. Parce que pour se faciliter la vie, il faut aussi prendre des décisions, je ne vais pas utiliser les mots s'isoler, mais un peu de se dissocier de toute personne qui pourront faire en sorte que tu puisses revenir en arrière. Parce que le diable, il est toujours en train de rôder. Toute personne qui cherche à se repentir, mais le diable, il devient encore plus agité en fait. Il est agité, donc il fera de son mieux pour te garder dans son camp. Donc pour ça, il est prêt à utiliser ta famille, il est prêt à utiliser tes amis, il est prêt à utiliser toutes les personnes qui pourront te ramener en arrière. Ça peut être toutes les personnes qui vivent encore, qui vivaient la même vie que toi, il faut t'efforcer plutôt à t'éloigner un peu pour que tu puisses faciliter ta repentance. C'est aussi un moyen de vraiment faciliter ton processus par rapport à la repentance. Et pour finir, je pourrais dire aussi, il faut pas se faire des idées que tiens, une fois qu'on va se repentir, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des temps d'isolement, c'est un peu normal. Il faut juste apprendre à supporter tout cela et tu verras par la suite, le Seigneur fera en sorte que tout se passe bien et que tu puisses réellement demeurer dans sa présence. Et surtout, la méditation au quotidien, surtout écouter la parole, partager avec des frères et sœurs qui pourront aussi faire en sorte que tu puisses maintenir un rythme spirituel qui est digne d'un vrai disciple en fait. Donc c'est toutes ces choses qui feront en sorte que ta repentance soit vivable en fait. Voilà, si je pourrais vraiment dire ça comme dernier mot, c'est vraiment la mort n'a pas d'âge, répentez-vous et répentez-vous. Que le Seigneur vraiment vous fasse grâce, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir prendre cette décision de se repentir. Vraiment, que cette démarche, que nous venons d'énumérer, puisse réellement vous rapprocher davantage de la grâce de notre Dieu, de notre Maître Yeshua, afin, n'est-ce pas, d'entamer ou bien d'entrer dans le chemin de la croissance spirituelle. C'est très important. Et je sais que nous sommes là pour aider, pour vous aider, pour participer aussi à la moisson, puisque notre but ici est de vous faire réellement les disciples de Yeshua. La prochaine fois, nous allons encore revenir avec un autre sujet. Mais ce qui questionne M. Zali, eh bien, il y a d'autres questions par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui. Essayez ou bien écrivez-nous, ou bien essayez de nous appeler. On va voir comment est-ce qu'on peut peut-être parler et essayer un peu de vous éclaircir par rapport à d'autres éléments qu'on n'a pas pu peut-être toucher. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si le frère n'a pas quelque chose à dire pour compléter. Nous allons nous revoir pour prochainement par la grâce de Dieu, frère. Non, c'est bon, frère, c'est ok pour moi. C'est bon. Voilà. Soyez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom.